Hello tout le monde! On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je suis honorée de vous présenter Marina, mon assistante. De quoi te mettre trop mal à l'aise. C'est trop gênant. Attendez, il faut quand même que je vous dise que Marina est un peu gênée. Mais c'est normal, c'est la première fois qu'on fait une vidéo ensemble. Et en fait, je ne t'ai jamais posté. Non, jamais. Récemment, j'ai mis un truc pour les 1 an. Ouais. Et on te voit genre en... Ouais, en vite en fait. En vite fait, quoi. Mais déjà, juste ça, c'était beaucoup. Ouais. Genre vraiment, je t'ai envoyé le truc, je dis, je peux poster? Elle m'a dit, oui. Mais je voulais pas trop voir non plus. J'ai dit oui. Elle veut pas voir. Mais cette vidéo, tu vas pas la regarder, je suis sûre. Tu peux. Bon, on verra, on verra. Déjà, on va la faire, ce sera bien. Bon, voilà, on s'est dit qu'il était enfin temps de faire une vidéo toutes les deux. Bon, maintenant, il y a plein de choses qui se passent. Au début, on va raconter un petit peu tout parce que vous nous avez posé plein de questions sur Instagram. Au début, c'était un peu secret parce que bah, y avait plusieurs projets, donc on pouvait pas trop dire que j'avais quelqu'un en plus parce qu'il fallait expliquer pourquoi j'avais quelqu'un, bref. Et au fur et à mesure, bah, là, l'équipe s'agrandit, donc je pense que c'est bien qu'on te voit un petit peu. Du coup, on va faire répondre à vos questions. Ouais. T'as peur? Ouais, je suis super stressée. Mais non. Je sais même pas ce qu'il y a comme question. Tout le monde est trop gentil. Hein. Okay. C'est des questions genre cool. J'ai plein de tickets avec mes mains là, c'est vrai qu'il pas. Tu sais, c'est pas un entretien d'embauche, ça y est, t'es déjà prise. C'est pire. Ah, un petit peu d'ASMR pour vous détendre. Oh, déjà, on peut plus bouger, il y a des fils dans tous les sens. J'espère que vous serez un peu indulgents sur le setup parce que c'était compliqué à gérer. Première question, Marina, comment es-tu devenue l'assistante d'Andy? Et Andy, pourquoi as-tu décidé de prendre Marina? En vrai, notre rencontre, ouais, c'est un peu particulier. Voilà. À la base, moi, je travaillais dans une clinique vétérinaire. Je m'occupais de la communication. Et c'était à l'époque où Andy... Enfin, je travaillais déjà là-bas avant. Mais il y a le moment où Andy, elle a trouvé Miso en Italie. Et donc, je l'ai contactée parce que Miso était malade. Elle avait mis une story où elle cherchait une clinique vétérinaire parce que c'était des problématiques très particulières. Ouais. Et donc, je t'ai dit que je travaillais dans une clinique et qu'on serait ravis d'aider Miso et de recevoir Andy. Et ça, c'est le début de tout. C'est vraiment comme ça. Ça a commencé comme ça, mais ce qui est assez drôle, c'est que je n'ai jamais répondu à ce message. Et je n'ai jamais vu ce message, tout simplement. Et bon, après, il y a eu des histoires. En gros, il y avait la maman de Jérémy qui connaissait quelqu'un à la clinique, nanana. Et du coup, on a fait le lien au final. Mais c'était très marrant parce qu'à la clinique, ma collègue, enfin, Marie qui travaillait avec moi, en fait, on parlait de la même chose sans comprendre qu'on parlait de la même personne. Donc elle me disait, il y a une influenceuse qui a un chat qui est malade et du coup, j'arrête pas de leur proposer de venir à la clinique. Et moi, je lui disais, moi, j'essaye de contacter aussi une influenceuse qui a un chat qui est malade. Et pendant plusieurs jours, genre, on parlait de cette histoire et en fait, on parlait de la même personne. Au début, je me rappelle que du coup, on avait présenté, du coup, l'autre personne nous avait présenté ça un peu via une collaboration et j'étais en mode, bah, enfin. Je vais pas faire une collaboration pour mon chat, c'est super bizarre, il est malade et tout, je savais pas réellement ce que c'était, et je connaissais pas bien la clinique, etc. Bref, on a fini par se voir. Moi, je vous ai proposé de venir et de voir, pas de faire une collaboration, juste de venir faire une consultation de voir. Donc ça s'est super bien passé, et au final, bah, notre chat était suivi là-bas, et du coup, on voyait tout le temps Marina. Et comme Miso était très malade on venait tout le temps, littéralement. Mais même quand vous veniez pas, je sais que souvent, genre... On parlait, on se tenait au courant, des messages, voilà. Et les médicaments, ici, et ça, tout le temps. En fait, c'était vraiment notre point de contact. Et comme c'était très compliqué avec Miso, c'était bien d'avoir quelqu'un de confiance. On savait qu'on pouvait t'envoyer un message, que t'allais pouvoir trouver une place pour les rendez-vous, enfin que c'était un cas un peu particulier. Ouais. Donc t'étais vraiment notre personne de confiance. Du coup, ça se passait super bien à ce niveau-là. Bon, jusque-là, voilà, tout se passe bien. Bon, après, il y avait plus Miso. Mais du coup, un jour, donc en fait, on n'avait plus Miso à partir de décembre, et en janvier, j'ai posté une story pour dire que je cherchais une assistante. Et... Attends, comment ça s'est fait? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jérémy m'a renvoyé un message. Et il m'a juste envoyé un message pour me remercier. Pour me dire, on s'était pas spécialement tenu au courant après et tout, mais on voulait te remercier pour ce que t'avais fait pour Miso et tout. Et du coup, il me disait, en ce moment, on est un peu débordé parce qu'Andy, elle cherche une assistante. Ouais. En gros, quand il me remerciait, il m'avait dit, si un jour tu cherches quelque chose ou t'as besoin de nous, n'hésite pas un jour à nous renvoyer un message. Ouais. Et du coup, moi, je lui avais dit, bah, j'ai vu qu'Andy, elle cherche une assistante, enfin, j'ai vu la story. Et moi, quand j'avais vu la story, c'était mon rêve d'être l'assistante d'Andy. Enfin, mon rêve. C'était un job qui m'intéressait vraiment, pour le coup. Moi, je me rappelle d'un truc. C'est que t'avais dit à Jérémy, ça aurait été trop bien, mais j'ai pas le permis parce que j'avais mis permis obligatoire sur la... En fait, moi, quand j'ai vu l'annonce, il y avait écrit permis obligatoire et un autre détail, je sais plus c'était quoi. Je sais pas si il fallait vivre proche de Versailles. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça. Ah ouais, peut-être, Bon, je sais plus. Mais en tout cas, c'était surtout le permis. Et donc, moi, j'ai dit à Jérémy, j'aurais adoré postuler, mais déjà, j'imagine qu'elle a reçu un million de demandes et en plus, j'ai pas le permis. C'est mort. En fait, je sais le nombre de personnes qui postulent pour un poste alors qu'ils ne correspondent pas aux critères. Ouais. Et je voulais pas être juste la millième personne qui postule alors qu'elle correspond pas aux critères. Et Jérémy m'a dit, mais.
Bah, en fait, ce qui s'est passé, je sais même pas si je t'ai déjà raconté. Je pense pas. Je suis pas sûre. J'ai juste passé l'entretien que j'ai mis après. Ah ouais, ouais, non, parce qu'il y a eu plein de trucs. On avait déjà, ça faisait déjà plusieurs fois que la story était postée et on avait déjà passé pas mal d'entretiens. Ça se passait bien. Mais en fait, à chaque fois, je me disais, genre, cette fille est super, mais je me vois pas là demain parce que c'était, on va en reparler après, les tâches, c'est assez particulier. Et l'endroit aussi, c'était chez toi au début. C'était chez moi. Et en fait, à chaque fois, je me posais la question, je me disais, est-ce que je la vois là demain, elle commence, elle vient chez moi. Et c'était impossible parce que je me disais, pour plein de postes différents, ce serait bon, mais celui-là, c'est pas possible. J'ai vraiment besoin de quelqu'un de confiance qui vient chez moi. Ouais. Et en fait, je me rappelle, au moment où t'as envoyé le message à Jérémy, il était dans la voiture et genre, je regardais son tel et j'ai dit, t'as un message de Marina, donc je regarde. Et il y avait ça et je me disais, mais c'est intéressant ce que je vois là. Et en fait, moi, je me disais, j'avoue que, en fait, Marina, je sais pas du tout si elle est adaptée pour ce poste, mais en tout cas, je pourrais largement la laisser chez moi, il y aurait pas de soucis et j'ai confiance en elle parce qu'on avait déjà cette relation de confiance où on se connaissait. Donc, je pense que c'est ce qui m'a mis direct dans le truc où je me suis dit, ça, en fait, ça m'a enlevé ce stress de trouver, de pas trouver, en fait, quelqu'un de confiance. Donc, j'étais trop contente. Vraiment, j'étais trop contente. Je me suis dit, pourquoi pas, après, on verra. Ouais, voilà. Ouais. Donc, t'as passé d'abord un entretien avec Jérémy. Et après, ça a été super vite. Ouais. Ça, après, Jérémy m'a dit bah ouais, pas mal. Je me dis ok, bon, on va se voir. Ouais. Et en fait, quand on s'est vus, genre... d'abord, on a fait en visio toutes les deux. Ah oui, on a fait en visio juste toutes les deux. Ouais. Et là, tu m'as expliqué, genre, toutes les tâches, toutes les ce que t'attendais de la personne. Ouais. Voilà, c'est vrai, j'avais et après, on s'est vus. Après, on s'est vus. Ouais. Et vraiment, quand on s'est vus, on était en mode bon, alors, faut qu'on voit, tu commences quand le salaire, et puis c'est bon, l'ordinateur, du coup, comment ouais, on s'organise. C'était super vite après. C'était super rapide. Ouais. Et justement, on peut en venir à une question que j'avais mis de côté qui était. Marina, étais-tu au courant pour Milia Matcha et aimais-tu le matcha? Quand j'ai passé les entretiens, à aucun moment je savais qu'il y avait une marque en jeu. Je voulais le dire à personne parce que je me suis dit si je passe 50 entretiens et qu'il y a 50 personnes qui sont au courant. Je l'ai pas su tout de suite. Ouais. Il y a eu quelques semaines où je me doutais qu'il y avait un projet parce que je voyais sur le planning projet Andy avec des réunions avec Jérémy. Très vite je l'ai su. Ouais. En fait, un jour, ouais. Je te l'ai dit. Un matin, je suis arrivée, elle m'a dit faut que je te parle de quelque chose, assieds-toi. Et elle m'a dit, qu'est-ce que t'en penses de si je lance ma marque de matcha et qu'elle s'appelle Milia Matcha? Et je viens d'arriver le matin et je me suis dit, oula. Dans fait, quelle merde je me suis foutue? C'était pas. Le projet, il venait pas juste d'apparaître. Oui, oui. C'était déjà en. C'était, on avait, tout était en y cours. Avait déjà, parce que j'ai déjà pu te dire, bon, alors on va faire ça, 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 ouais. Ça va se passer comme ça. Mais en fait, c'était super dur de le dire sans être vraiment sûre, tu vois. C'est un peu horrible comme ça. Ouais. C'est genre. Mais c'est surtout que, enfin, on a passé les entretiens, j'ai commencé très vite et on sait jamais ce qui peut se passer avec quelqu'un quand on commence à un travail, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Mais en vrai, et j'avais grave confiance parce que c'était chez moi et tout. Oui, mais quand même. D'ailleurs, il faudra qu'un jour on reparle de cette période où on bossait dans mon salon. Genre, tout ce qui s'est passé en un an, c'est effrayant. Vraiment. J'ai l'impression que c'était il y a 3 ans. Moi aussi, ça fait peur. Andy, elle avait et son travail et sa vie dans son salon. Puis il y avait tout. Il y avait les cartons de matcha, il y avait les caméras, il y avait les vêtements pour les chaussures. On circulait plus. Il y avait tout le bordel de ma vie. Il y avait plus de place sur la table et il y avait des jours où on mangeait. Est-ce qu'on peut mettre les photos? Oui, on peut les mettre. En fait, tu m'étais dit, le jour où on te montrera, je publierai ces photos. D'ailleurs, je te jure, il faut que je les publie carrément. Ouais. Parce que j'avais pris des photos, genre Marina tout terrain. Marina, il je te jure, les photos, elle mangeait par terre. Non, mais c'est pas normal. À ce moment-là, t'aurais dû te poser des questions et démissionner, je pense. Moi, j'aimais trop. Mais juste pour revenir sur le matcha, parce que c'est assez drôle. Enfin, c'est assez drôle. Ça me fait rire en tout cas. Mais avant du coup que je sache qu'Emilia matcha, tous les matins, un petit me disait, est-ce que tu veux que je te passe en matcha? Et il faut savoir que vraiment de base, j'aimais pas ça. Et surtout que t'es une grosse addict au café. Ouais. Et pourtant, Andy, elle me l'a fait chaud, froid, avec différents laits. Mais j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Et à partir du moment où on a commencé à goûter les premiers prototypes Milia Matcha, là, ça c'était une révélation. Ouais. On dirait que c'est faux, on dirait qu'on essaie de le vendre. Non, mais c'est vraiment vrai, je vous jure que c'est vraiment vrai. En fait, moi, c'est vraiment les goûts qui m'ont fait faire la transition. Ouais. Je le dis pour ceux qui aiment pas le matcha, mais c'est réel. C'est vrai que c'est un goût auquel le palais, il est pas habitué. Ouais. Et je pense qu'il faut un certain temps. Mais franchement, au bout de 3 tasses, t'es habituée. Moi, je sais que les goûts, ça a vraiment facilité les choses. Parce que du coup, je me suis habituée. En fait, j'aimais vraiment le matcha avec les goûts. Et du coup, petit à petit, j'ai fini par me faire du matcha classique qui a aimé. Parce que les goûts, ils ont permis de faire la transition. Ouais. Du coup, raconte-nous quand même un petit peu pour qu'on puisse avancer. Comment tu franchement, même moi, je sais. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais comment tu décrirais quel est ton rôle? Quelles sont tes tâches quotidiennes? Donne-nous un peu une journée type. Qu'est-ce que tu fais pour l'entreprise? Je dirais que ma mission première, c'est l'organisation. C'est gérer le planning, s'assurer que tout se passe bien, les timings des journées. En fait, c'est un peu gérer ma vie. Parfois, et surtout au début, ça pouvait encore plus toucher un peu à des trucs aussi perso
que pro. Et ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Et donc, tes missions premières, c'était vraiment de t'assurer que tout soit fait dans les temps et que j'ai moins de pression quand je travaille parce que le but, c'était d'être mieux organisée et aussi que tu puisses m'aider sur la création de contenu. Enfin, après, je te laisse en parler. Mais je pense que c'était vraiment ça de base. C'était vraiment la gestion du planning, du temps. En fait, avant, on avait plus de temps de faire d'autres choses qu'aujourd'hui. Mais par exemple, quand on allait sur Paris, on en profitait pour shooter. Quand il y avait d'autres choses à faire, bah, on en profitait pour shooter. C'est ça. Maintenant, c'est un peu différent. Juste un peu. Mais à la base, en tout cas, c'était vraiment ça. Ouais. La marque, elle a très vite pris beaucoup de place. Avant qu'elle sorte. Avant qu'elle sorte. Mmh. Et personne ne le savait. Ouais. C'était vraiment ce qui était difficile c'était à gérer. C'était super dur. Parce que pendant plusieurs mois, j'ose pas dire les choses. Tu peux dire ce que tu veux. Je sais pas si les gens se rendent compte de la source de travail et de stress que ça a été pendant vraiment plusieurs mois. On dit sur YouTube et sur les réseaux, ça devait continuer comme c'était parce qu'on ne pouvait pas en parler. Sauf que je pense que honnêtement, 90% du temps était consacré à la marque. Et c'était vraiment difficile de trouver le juste milieu. C'était super dur. Entre tout, et puis il y a la pression de continuer à faire des vidéos aussi qualitatives, de faire du contenu aussi qualitatif. Ouais. Au milieu de tout ça, franchement, C'était pas évident, Mais c'est vrai qu'avant, je n'imaginais pas qu'il y avait... C'est vrai que tu m'avais dit ça au début. Ouais. Juste dès le début, tu m'as dit, je suis choquée de l'organisation, de tout ce qu'il y a. Je crois que je t'ai jamais dit ça, mais c'est vrai que quand j'ai commencé... C'est vrai. Quand j'ai commencé, même pendant les entretiens, quand Jérémy me parlait des tâches et tout, je me disais, mais est-ce que ça nécessite un plein temps? Est-ce que je vais être vraiment utile pour toi? Genre, est-ce que vraiment, toute la journée, je vais avoir des choses à faire? Ou est-ce que il y a toujours... Enfin, moi, je sais que je stresse toujours de me sentir inutile dans une journée. Et je me disais, est-ce que vraiment tu m'as servi à quelque chose. Ouais, c'est bizarre dit comme ça, mais est-ce que tout au long de la journée, vraiment, je vais avoir assez de travail et faire des choses pertinentes, pas juste pour combler les manques. Et en fait, très vite, je me suis dit, mais en fait, la charge de travail, elle est énorme. Et je sais pas comment vous faisiez avant. Avant, on était sous l'eau. Ensuite, t'es arrivée, on était sous l'eau parce qu'il y avait toujours un projet de plus. Maintenant, il y a la marque, donc c'est carrément autre chose. Et il y a encore du monde, l'équipe s'agrandit et on est toujours sous l'eau. En fait, c'est hyper dur d'avoir un train d'avance parce que ça va très très vite. Tout va tellement vite. Ça va très très vite. Moi, mon plus gros stress, justement, c'est, tu vois, que moi, je sois sous l'eau, c'est normal. Et c'est mon problème. Et au pire, c'est moi qui gère mal. Donc, c'est mon dos. Mais tu vois, mon plus gros stress, c'est que, genre, par exemple, toi, tu sois sous l'eau. Tu vois, parce que c'est à moi de prendre les décisions de... Bah là, par exemple, on a pris la décision de te prendre quelqu'un en stage pour essayer de t'épauler un petit peu au quotidien. Mais je pense que ça, on pourra revenir dessus après. Ouais. Mais bon, déjà, je suis pas du tout sous l'eau. Enfin, jamais je me suis sentie sous l'eau. Non, mais t'inquiète pas. Non, mais je pense que c'est important, pas de le dire que je suis pas sous l'eau, mais pourquoi je me sens pas sous l'eau. Okay. Parce que je pense que c'est la qualité première de ce travail. Enfin, de pourquoi je me sens aussi bien ici, malgré tout le travail qu'il y a. Mais je pense qu'on reviendra dessus après, parce que là, on va trop s'éparpiller. Si tu veux. Mais c'est bien de le dire, enfin, faut juste pas oublier. Mais pour finir sur cette question, ça a très vite avancé. Ensuite, il y a eu la marque. Ouais. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de temps aussi où on discutait de la marque, tous les trois avec Jérémy, parfois toutes les deux, mais il y avait tout ce qui était question de DA. Ouais. Et moi, j'arrivais avec un regard extérieur. Donc, ça, c'était incroyable. Ouais. Donc, il y avait beaucoup cette partie-là, quand même, dans les journées, sur le travail de la marque. Ouais. Au tout début, tu étais vraiment sur de la création de contenu, organisation. Donc, ton rôle, c'était gérer le planning. Ouais. Du genre, par exemple, on avait des plus gros projets de vidéos, ce qu'on va essayer de remettre en place bientôt, là. Typiquement, tu étais là pour la vidéo Uber Eats? Non, tu n'étais pas encore là. Mais je suis arrivée juste après ça. Ah ouais, t'es arrivée juste après ça. Ouais. Mais typiquement pour des vidéos comme ça, par exemple, ok, on veut faire une vidéo Uber Eats où je livre des gens dans ma ville, je leur livre à manger, etc. On se dit qu'on fait la vidéo dans un mois pile, on fixe une date de tournage, une date de sortie. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Qu'est-ce qu'il faut faire ci? Donc on va réfléchir ensemble et par exemple, moi je vais être sur la créa de la vidéo, vraiment les idées, qu'est-ce qu'il faut faire comme plan, etc. Et toi tu vas missionner un graphiste pour faire le menu, tu vas acheter les petites assiettes, j'en sais rien. Et c'est comme ça qu'on se répartissait un peu les tâches. Ouais, prévoir à l'avance pour que tout soit prêt au moment du tournage. Exactement. S'il y avait des posts à faire sur Instagram. Et encore, moi, je suis pas trop genre Instagrammeuse, donc on le fait pas vraiment souvent. C'est vraiment surtout YouTube. À la base, c'était vraiment que pour YouTube en vrai. Hein. Enfin, surtout pour ça, je pense. Après, ça a changé avec la Corée, parce que vraiment, quand on... Très vite, donc... Non, mais ça en fait... Quoi, ça faisait un mois que j'étais arrivée. Pour vous dire que, vraiment, depuis le début avec Marina, on se dit, la vie n'a aucun sens. Ouais, vraiment. Mais là, pour le coup, ça avait vraiment aucun sens. Là, ça avait vraiment aucun sens. Parce qu'on a organisé toute la Corée sans... Enfin, l'idée, c'était pas du tout que je parte. Et un matin, je pense que c'était 2 semaines avant que tu partes, un matin, je suis arrivée et elle m'a dit, est-ce que t'as un passeport valide? Oui. Elle m'a dit, t'es pas obligée de dire oui, si c'est embêtant pour toi, tu peux dire non. Mais est-ce que tu voudrais partir en Corée? Ça n'avait aucun sens. Mais tout ça pour dire que pour la Corée, il y avait vraiment... On avait vraiment anticipé des TikTok, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait filmer, les endroits où tu voulais aller. Ouais. Et là, pour le coup, du coup, il y avait plus...
cette partie création de contenu plus large que YouTube. Oui, oui, totalement. Parce qu'il y avait des TikTok. On faisait plein d'idées. Ouais, c'est vrai qu'on allait goûter des trucs sur TikTok et tout. On avait essayé d'anticiper les tenues pour, en fonction de là où elle allait et tout, pour faire des belles photos pour Instagram. Ouais. Mais donc il y avait toute cette partie-là pour Séoul. Et après, après, il y a eu la marque et ça a vite évolué parce que c'était beaucoup plus de l'organisation en termes de deadline, shooting. Du coup, il fallait des stylistes, il fallait des maquilleurs. Trouver du monde, développer les produits, tester. Ouais. Et beaucoup de remises en question aussi parce que il y a cette partie-là que les gens ne voient pas forcément. Mais il y a plein de moments dans un lancement de marque où on remet tout en jeu. Et en fait, je pense que là, on a appris un truc ensemble, c'est la pression des deadlines. Ah ouais. Et oh là là, quelle horreur. Ouais. Et encore aujourd'hui, c'est dur, hein. C'est le plus dur, je pense. Grave. Donc voilà, globalement. Donc ça a grave évolué à ce niveau-là. Et maintenant, il y a les bureaux. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire, raconte-nous une journée de type, même si franchement... Pour sa défense, type. Il n'y a pas de journée type. Il n'y a pas de journée type. C'est vraiment un jour, une histoire. Il peut y avoir un tournage, il peut y avoir un truc pour Milia, il peut y avoir plein de trucs. Globalement, sur mes missions principales. Tes missions principales, des tâches différentes pour que les gens puissent essayer de se projeter dans ton quotidien, on va dire. Je pense que ce que je dirais d'une journée type, même si c'est difficile, j'arrive à 9h le matin. Le premier truc que je fais, c'est jeter un coup d'œil au planning du jour et aussi des jours qui arrivent parce qu'en fonction, il y a des choses à prévoir parfois. Et je me fais ma to-do perso. De ce qu'il y a à faire. Donc, c'est un peu compliqué parce que chaque jour, c'est très différent. En ce moment, c'est le bordel parce qu'il y a un voyage qui arrive. Ouais, il y a des gros projets Milia en cours, mais vraiment des énormes trucs. Globalement, sur cette partie-là, c'est vraiment ce que moi, je fais toute seule dans la journée. Ouais. Enfin, je fais la to-do de ce que moi, je fais sans qu'on ait besoin d'être ensemble avec Andy ou ce qui ne concerne pas forcément le planning d'Andy. Ouais. Donc, ça va être, par exemple, faire des mood boards, chercher des prestataires, par exemple, des maquilleurs. Voilà, en fonction de ce qu'il y a à faire. Même répondre, tu sais, dans tous les comptes. Il y a plein de choses en cours, donc il faut répondre à ça. Ça peut être aussi les colis presse, parce que parfois il y a des choses à envoyer, des choses à déposer. Donc ça, c'est le premier truc que je fais sur une journée type. Et déjà, tu viens tous les jours au bureau maintenant. T'es tous les jours au bureau. Que et je sois là ou pas là. C'est super important. Et moi, je sais que typiquement, le télétravail, c'est pas quelque chose qui me conviendrait. Même, je suis bien au bureau. Non, mais c'est vrai, c'est agréable de travailler ici. Faut le dire, c'est super agréable. Les bureaux, ils sont super agréables. Et pour moi, c'est hyper important d'être sur place. Donc le matin, tout doux. Ensuite, souvent, on fait un petit point ensemble quand même. Ouais. Parce qu'on a toujours. Enfin, j'ai toujours des trucs à valider ou elle doit répondre à quelqu'un, mais il faut que. Il faut qu'on en discute avant, il faut qu'on voit. Souvent, ça part de tous les côtés. Ouais. Genre, à la base, on avait genre 10 trucs à voir et on voit 10 autres trucs. Ouais. Mais au moins, on aura avancé sur les 10 autres. Mais un peu moins qu'avant quand même. Ouais, là, c'est un peu plus. Ouais, c'est plus carré. Parce qu'il y a de plus en plus de choses à faire aussi, donc on sait tout. On est obligé. Il faut qu'on s'impose des timings. Ensuite, il y a la partie équipe, donc il y a Joséphine qui est là pour la communication, donc souvent on discute aussi un peu avec Joséphine de ce qu'elle a à faire. Ce qui est bien aussi, c'est que comme là ça fait un an que t'es avec moi et que tu connais toute la DA de la marque, tout ce que j'imagine, etc. T'es un peu la deuxième moi, enfin tu peux grave répondre à ma place par exemple pour Joséphine quand elle a des questions sur les contenus, tu sais un peu ce que je veux répondre, donc tu peux filtrer un petit peu plus. En tout cas, je sais j'ai pas le temps. Directement ce qui par exemple va pas forcément te plaire, ou à l'inverse ce que tu préférais. Et puis après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah après, il y a des tâches des trucs que tu disais, envoyer des colis. Parfois, il faut prendre des photos. Ouais. Parfois, il faut aider pour un contenu Milia Matcha. Ouais. Ah oui, on fait beaucoup de réunions aussi. Ouais, on fait énormément de réunions. Beaucoup de réunions, de plus en plus. Parfois avec Jérémy, parfois toutes les deux. Ouais. Quand c'est avec Jérémy, ça peut être du développement produit, ça peut être bosser sur les projets qui sont en cours. En fait, t'es tout le temps avec moi. Ouais. Si t'es pas avec moi, c'est parce que je tourne une vidéo YouTube. Ouais. Sinon, t'es tout le temps avec moi. Donc même quand on est en réunion, tu prends des notes pour tout. Après, tu peux les caser dans le planning. Ouais. Au début, t'étais que sur l'influence. Après, tu m'as aidé, on va dire, à gérer la marque. Et maintenant, t'es vraiment dans la marque aussi. Et je pense que c'est ça qui était bien aussi dans l'évolution de ton poste. C'est que tu me le disais aussi, mais je pense que ça aurait été trop frustrant de rester que sur l'influence alors que Milia, c'est trop cool. C'est sûr. Donc, les journées types, elles sont très différentes. Ouais, ça varie. Et parfois, on a un tournage, il faut aller. À l'autre bout de Paris, ou parfois tu peux aller acheter des cookies. Non, c'est vraiment pour la vidéo. Il y a de tout en fait. Ouais, je suis d'accord. Et chaque période est menée par les projets qui arrivent. Clairement. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a un lancement de produit Milia Matcha qui arrive, là il va y avoir beaucoup de shooting, beaucoup de préparation par exemple pour le site internet, donc de la rédaction, toutes ces parties-là. Et là, je sais que mon planning il va être très différent d'une période où on va être plus focus influence parce qu'il y a un gros projet influence genre qui arrive. Avec la Corée et le Japon qui arrivent, on est sur les contenus qu'on va faire là-bas. D'ailleurs, ça faisait partie des questions parce que là, comme j'ai annoncé que je partais, tout le monde demandait si tu venais. Et la réponse, c'est oui. Du coup, oui. Et le Japon, tu n'as jamais fait? Non. Est-ce que tu es contente d'aller au Japon? Ouais, vraiment. Trop bien. Mais même la Corée, je ne sais pas si ça intéresse les gens que je dis ça, mais avant, j'avais quasiment jamais voyagé.
Donc pour moi, c'était vraiment... Je suis partie au bout du monde. Je venais d'arriver, on venait de commencer ensemble. C'était improbable. Ouais. Parce qu'il y a eu cette question, ça coûte beaucoup d'argent. Mmh. Déjà, de partir à deux avec Jérémy, ça coûte beaucoup d'argent. Mmh. Partir à trois, bah, voilà, c'est un sacré coup. Ouais. Donc il fallait être sûr. Après, je savais que sur place, je l'avais déjà fait une fois seule. Mmh. Et je savais qu'il y avait un vrai besoin et que ça aurait été mieux. Et je m'étais aussi dit, franchement, si elle passe la Corée, elle passe tout. Parce que t'es dans d'autres conditions de travail, c'est pas pareil. Ouais, les missions sont vachement diverses. Enfin, faut savoir aussi se repérer à l'étranger. Donc c'était un bon test et je m'étais dit, tu sais quoi, te prends pas la tête, on verra bien. Ouais. Et ça s'est bien passé. Ouais. J'étais contente. Au début, c'était super impressionnant. Enfin, moi, je sais qu'avant de partir, je me disais, mais ça fait un mois en que plus, je t'as pris l'avion toute seule. Ouais. Parce qu'on n'est pas partis au même moment. Ouais. Et même, c'était trop dur parce que je filmais des vidéos, je pouvais pas te montrer, t'en rappelles ? Ouais, mais tout, même les TikTok et tout. Ouais, je pouvais pas te montrer alors qu'en fait, elle était là surtout. J'ai fait super attention parce qu'on filmait, y avait plein de choses à filmer à ce moment-là sur YouTube et aussi les TikTok. Ouais. Et parfois, dans la salle de bain, là, dans le miroir. Ouais. Tu sais, le jour où on filmait avec Harry. Je me rappelle, on te voyait pour le shooting. Ouais, pour le shooting. Et je faisais super attention parce qu'en fait on me voyait dans les reflets. Genre vraiment le truc à cacher. Mais en fait on était dans une situation au début. Déjà t'étais pas vraiment chaude pour être montrée sur le réseau. Déjà un an plus tard je suis pas très à l'aise. Toujours pas. Moi. Ouais, c'était, non, j'étais vraiment pas à l'aise. Moi je me sentais pas non plus parce que c'était le début. Et en plus c'était un peu aussi. Enfin c'était quand même une grosse décision. T'étais en CDI. Ouais. De prendre un CDI c'était ma première embauche. Ouais. Et je savais que j'avais besoin de quelqu'un au quotidien. Et en plus avec la marque qui arrivait ça devenait primordial. Mais en fait j'avais pas envie de devoir forcément, parce que par exemple quand j'ai mis les annonces pour dire que je recherchais une assistante, j'ai plus jamais donné de nouvelles. Enfin j'ai répondu à toutes les personnes avec qui j'ai passé un entretien, mais après j'ai pas tenu informée sur les réseaux sociaux parce qu'en fait j'avais trop peur. Déjà j'avais trop peur de poster l'annonce à l'époque. Ouais. J'avais trop peur de devoir me justifier et en fait la vraie raison c'était la marque. Je pouvais pas le dire. Donc en fait je me suis dit on va pas se prendre la tête, on n'est pas obligé de tout raconter tout de suite et je me Même suis dit on verra trop... au fur et à mesure. Ça aurait été trop rapide. Déjà, moi, j'aurais jamais supporté. Enfin, ouais, ouais. Psychologiquement, que tu me montres, franchement, c'était vraiment pas... Ouais, c'est pas ton délire. Non, autant être derrière la caméra, ça me va, devant beaucoup moins. Mais je pense que c'était bien que ça se fasse comme ça, en ouais, plus. Ouais, je suis d'accord. Parce que, par exemple, je sais que... je crois que c'était au mois d'août. Ouais. On a été au GP Explorer. Bon, les gens reconnaissaient Andy. Ouais. Et du coup, moi, à côté, c'était pas stressant pour moi parce que les gens ne calculaient pas forcément... Personne calculait. Bah là, c'est fini, du coup. Ou... Donc, c'était bien aussi d'avoir cet entre-deux. Ouais. Alors, citer une qualité et un défaut chez l'autre. Commence, je pense. Ah ouais ? Ouais. Je pense... On commence par le défaut ou la qualité ? Le défaut. Ouais. Comme ouais, ça rattrape un peu. Je pense que ton défaut, c'est que t'es éparpillé, mais en fait, c'est justifié. Mm. Parce que la situation fait qu'on est tous éparpillés. En fait, est-ce que c'est ton défaut ? Si, c'est réel. Franchement, même moi, je suis obligée de le dire. Même moi, je l'aurais dit pour moi. Si. Il y a trop. Ouais. Ton cerveau, il explose. Ouais, mon cerveau, il explose. Et je suis en mode, faut faire ça, faut faire... En fait, je me laisse trop mener par moments, c'est trop. Je pense à ça. Et du coup, je me dis, faut que je le fasse tout de suite, sinon je vais oublier. Alors qu'il y a d'autres priori... trucs à faire. Ouais. Mais tu t'améliores de ouf, là. Mm. En ce moment, je le vois. Merci. Et ta qualité, je pense, tu t'adaptes à toutes les situations. Mm. Mais dans le positif, genre... Ça te fait pas chier. J'aime trop travailler avec quelqu'un qui est contente de travailler et qui est contente d'être là. Genre, jamais t'as râlé. T'as jamais râlé alors que, il y avait beaucoup de raisons de râler, croyez-moi. T'as jamais râlé, t'as jamais rien dit. Genre, tu t'adaptes à toutes les situations, je pourrais dire, bah c'est ce que je fais. D'ailleurs, je te demande, on se casse en Corée, je me dis ok. Je suis en mode, mais parce que tout est va. Trop cool aussi. Oui, non, mais je comprends. C'est pas des. Enfin, je t'impose pas des dingueries, genre, on travaille pas dehors quoi. Oui. Mais malgré tout, tu t'adaptes à tout, tu vois. Tu dis jamais rien, tu t'adaptes à tout. T'es toujours ultra souriante. Genre, en fait, j'aime trop savoir que t'es contente de travailler parce que moi, c'est un stress. Moi, ça fait que je l'ai dit, mais on va reparler. Mais je pense que ça se voit que je suis contente d'être là tout le temps. Ouais, bah ouais, mais ça fait trop plaisir parce que moi, c'est un vrai stress. Genre, je veux vraiment que les gens se sentent bien. Ah, et un autre truc, c'est plus un truc que j'aime dans le fait qu'on travaille ensemble. Peu importe la situation, vraiment, peu importe la situation, on rigole tout le temps. Ouais, c'est vrai. Genre, c'est même dans les pires situations, genre là, j'ai vraiment l'image de moi comme deux débiles en train d'avoir un fou rire de fatigue et de se dire, mais dans quelle merde on est, mais c'est toujours drôle, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je trouve que même s'il y a eu des moments où c'était un peu plus difficile parce qu'il y avait beaucoup de stress. Ouais. On a toujours fait en sorte que les choses se passent bien. Ouais. Et je pense que moi, c'est vraiment ce que je retiens le plus de ce travail. Ah ouais? C'est que, je trouve que t'as toujours fait en sorte que tout soit agréable, entre guillemets. Donc, même quand il y avait c'est un lancement de marque, il y a eu des hauts et des bas et c'est normal. Ouais. Il y avait des jours où vraiment c'était, il y avait tout qui nous tombait dessus. Ouais. Vraiment tout nous tombait dessus. Je trouve que malgré tout, ça s'est toujours bien passé. Il n'y a jamais eu un soir où je suis repartie et je me suis dit, là c'est vraiment, il y a un sale mood, c'est trop difficile, il y a une mauvaise ambiance, c'est trop dur.
Ça me rassure. Ça me rassure, mais je pense que c'est un peu ma personnalité de me dire, genre souvent, en fait, j'ai deux phases. J'ai la phase de craquage, où genre intérieurement, j'ai envie de mourir, ouais, littéralement. Ouais, genre quand il y a une mauvaise nouvelle, j'ai en mode... Je vais mourir, vraiment, je vais mourir. Et après, j'ai la phase de « bon, qu'est-ce qui peut arriver de plus ?» Mais ça rebondit super vite. Ouais. Souvent, il y a la nouvelle. Bipolaire, tout simplement. Dit, elle pète un plomb. Enfin, elle pète un plomb. Non, elle pète pas un plomb. Marina, c'est... Je pense qu'elle a peur de dire des trucs, elle a peur que... Non, mais je sais que tout ce qu'on dit, ça peut être hyper mal interprété. Et c'est pas négatif. T'inquiète pas, ce que tu peux dis, tout dire. On sait jamais. Mais c'est en mode « putain, c'est pas possible, nan, nan. » Ouais. Et en 5 minutes, on rebondit super vite. Ouais. Et ça, c'est cool. Parce que j'ai du mal à supporter les mauvais moods. Si ouais. j'ai quelqu'un en face de moi qui est vraiment tout le temps déprimé ou tout paraît insurmontable. Je l'ai vu. Tu sais, parfois on était à des endroits avec des gens avec qui on travaillait pas forcément, ouais. où la vibe était pas là, trop cool et là je te voyais pas archi bien. Mais ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Mais c'est vrai que moi ça me met très vite mal à l'aise. Ouais. Et les gens vraiment qui sont pas dans un. Qui sont pas souriants, qui sont pas. Bah ça me met mal à l'aise. Ouais. T'as jamais été dans ce truc de mauvais mood parce qu'il se passe quelque chose et du coup, genre toute l'après-midi. Tout le monde est en déprime, personne ne se parle, c'est pas du tout ça. Et du coup, mon défaut ? Pour moi, ton défaut, mais qui est aussi une qualité, c'est que t'es extrêmement perfectionniste. Ouais, c'est vrai. Mais vraiment extrêmement perfectionniste. C'est toxique pour moi-même. Ouais. En fait, du coup, t'as du mal à être satisfaite de ce que tu fais. Et je trouve que c'est dommage. C'est très dur avec toi-même. Ouais. Et parfois, ça me fait pas de la peine parce que le mot, il est fort quand même. Tu dis la pauvre. Mais je me dis, elle a travaillé pendant des mois sur ça. Le résultat, il est ouf. Genre, tout le monde a trouvé ça incroyable. Elle est pas fière d'elle. Mm. Genre, tu vas toujours te dire, mais si on avait fait comme ça, ça aurait peut-être été mieux. Ouais. Alors que c'est déjà incroyable. Mais c'est aussi une qualité parce que du coup, tu te challenges constamment plus. Ouais. Mais parfois, je trouve que t'es trop dur avec toi-même. Mais je trouve que là, ça va mieux. Ah ouais? Non, tu trouves que c'est l'inverse, c'est pire. Non, c'est pas pire, mais... Non, là, ça va mieux. Par exemple, le fait d'avoir des nouvelles personnes dans l'équipe, tu lâches beaucoup plus ouais, parce que tu peux avoir le contrôle sur ce que tout le monde fait. Il faut lâcher, quoi. C'est pas avec les autres, c'est avec toi. Ouais, je sais. Donc ça marche pas forcément dans ce, ouais, ce sens. Oui, tu lâches plus avec les autres, mais avec toi-même, je trouve pas que tu lâches plus. Ah ouais? Ouais. Je suis une horreur. T'es dur avec toi-même. Par exemple, hier, on a avancé sur plein de choses. Ouais. Et il fallait prendre ce temps parce qu'on avance sur plein de trucs. Et dès qu'on a fini le point, donc ça a pris beaucoup de temps, ça a pris plusieurs heures, tu m'as dit, j'ai l'impression que j'ai rien fait de la journée. Ah parce, non, mais ça, c'est ma maladie. Que, c'est ma maladie. Mais parce qu'en fait, oui, t'as pas coché plus de trucs sur ta to-do, mais on mais a pris 4 heures, on a avancé sur 1000 choses. Ouais, non, mais grave. Et du coup, je trouve que t'es super dur avec toi-même parce que je sais que le soir, t'es resté super tard du coup parce que t'as avancé sur le reste. Moi, je suis partie et je suis rentrée et ma journée, elle était finie. Mais toi, du coup, tu vas rentrer parce que je sais que... non, justement, tu vas pas rentrer parce que psychologiquement, tu te dis que t'as pas fait assez. C'est alors horrible. Que c'est une journée de travail et que... Putain, quand tu me le dis là, je me sens horrible. J'ai mais t'es d'être horrible avec toi-même. Ah non, mais oui. Mais la journée de travail, c'est pour tout le monde parce que je sais que t'es grave bienveillante en te disant que nous, on doit faire nos heures et pas plus et voilà. Mais toi aussi, c'est ton travail. Et même si je sais que c'est aussi ta vie, j'ai bien compris, mais ça, ta vie, elle peut pas tourner que autour de ça. Et tu peux pas arriver le matin à 8h30 et repartir tous les soirs à 23h parce que malgré tout... Watch me. Malgré tout, la réalité, c'est que tu t'épuises. Ouais, ouais, c'est vrai. Ta qualité, c'est aussi que t'es perfectionniste parce qu'on fait constamment mieux. Et je trouve que c'est trop cool parce que c'est hyper challengeant quand on travaille avec toi. En un an, je me suis jamais dit là, on stagne. Genre, c'est, tu vises toujours plus haut, tu cherches toujours à aller plus loin. Et du coup, c'est trop agréable parce que dans le travail, on s'ennuie pas. Mais la vraie première qualité... Ouais. C'est que t'es extrêmement bienveillante. Oh, c'est vrai. Ouais, et... Ça me fait tellement peur. Voilà, voilà, on le dit avec elle-même. Non, mais en fait, c'est trop dur d'avoir déjà le recul sur soi-même. Mais j'ai trop peur de changer, premièrement. Et j'ai trop peur de pas me rendre compte que je change ou d'un truc que je fais, tu vois. Genre, je me dis, imagine les gens, ils se disent que genre, je suis horrible au travail. Ou... Alors que bon, je pense qu'il y a plusieurs trucs. Il y a savoir genre, gérer et aussi être humain, tu vois. Quand t'es humain, voilà. Ouais. Mais malgré tout, ça fait toujours peur, tu vois. Parce que c'est beaucoup de changements pour moi aussi, tu vois. Oui, oui, c'est sûr. Mais de toute façon, t'apprends, enfin, en un an... T'es passée de toute seule à là, il y a eu moi et puis maintenant, il y a une équipe. Donc bien sûr que t'apprends. Enfin, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus parce que t'es hyper humaine. Et même, tu vois, quand il y a eu la marque et qu'il y a eu des périodes compliquées, je me suis jamais, jamais, jamais sentie seule. Et je te l'ai déjà dit quand parfois on a fait des points sur comment ça se passait et tout. Je me suis jamais sentie délaissée dans mes tâches. Parfois, il y avait des choses que j'arrivais pas à faire et t'as toujours été là pour m'aider. T'es toujours soucieuse de comment je me sens.
Moi, je sais que tu me demandes constamment, typiquement. Ouh là là. Je vais chercher des cookies à Paris, ce qui est pas non plus... Je pense que ça va. Niveau stress, niveau... Il y a pire. Je pense qu'il y a des métiers beaucoup plus compliqués qu'aller récupérer des cookies sur Paris. Et genre, je reviens avec les cookies et on me dit « Ça va? T'es pas trop fatiguée ?» Alors que j'ai récupéré des cookies sur Paris. Je m'en rends même pas compte. Mais t'es tout le temps comme ça. Même, tu fais hyper attention. Genre, tu me dis... Là, par exemple, juste avant qu'on tourne la vidéo... Elle me dit, t'es sûre t'as pas trop faim avant de tourner? Et t'es tout le temps comme ça. T'es tout le temps comme ça. Mais c'est vraiment une vraie qualité parce que t'es hyper humaine. Bah, c'est gentil. Voilà. Ça me fait plaisir. Donc, ok. Voilà. Quel a été le meilleur et le pire souvenir que vous avez vécu ensemble? Là, il faut qu'on se mette d'accord. Moi, meilleur, j'en ai beaucoup. Moi aussi. T'as quoi en top 1? Vas-y. J'hésite entre le lancement. Ouais, moi aussi. Ouais, parce que vraiment. Le moment du lancement. Ouais. Genre le 3-2-1. Ouais. Ouais. Le seul truc qui me fait. C'est qu'en même temps, j'ai l'impression qu'on a très peu profité. C'était tout a été trop vite. Trop rapide. Ouais, tout a été trop vite. Je pense qu'on s'est vraiment fait gifler la gueule. Ouais, vraiment. On s'attendait pas du tout à ça. Mais c'était trop cool. Ouais, c'était trop bien. Parce que c'était l'aboutissement de tout. Ouais. Les shootings, c'était vraiment incroyable. Ouais, moi, j'ai adoré les shootings. Ouais. Et le sud. Ah ouais? Moi, j'ai adoré le sud. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, ouais? Ça me choque. Enfin, ouais. C'était cool, mais. La Corée, genre, c'est un trop bon souvenir. Mais en même temps, je venais juste d'arriver, donc c'est un peu différent, je trouve. Ouais, je pense que là, ça va être vraiment cool, la Corée. Ouais. Mais moi, c'est un peu pareil. Je pense que le lancement, c'était mon moment préféré. Après, moi, la Corée, j'ai bien aimé. Et... En fait, en un an, tout a été tellement vite. Mais de ouf, il y a eu plein de moments. Ouais. Quand on a commencé à bosser au bureau. Ouais, ouais. Genre le premier jour. Ouais, je te rappelle. Incroyable. T'étais toute seule là-bas. Non, vraiment, c'était incroyable. Grave. Mais moi, je me souviens du jour où t'as récupéré les clés. Et moi, j'attendais dans un café à côté. Et Andy, elle me disait, dès que c'est bon, je t'envoie un message, tu peux venir. Et genre, vraiment, elle m'a fait une visite comme si on était dans chasseur d'appart. Elle m'a dit, voilà les bureaux. T'étais trop contente. Ouais. Je me disais, putain, trop bien. J'avais trop hâte. Mais, c'était incroyable. Enfin, c'est trop bien, ouais. J'suis mais je sais pas si les gens, ils peuvent comprendre ce qu'on a ressenti ce jour-là. Parce que vraiment, on travaillait chez Andy, genre tous les jours. Là, ça devenait dur. J'étais dans son salon ça tous les jours. Ça devenait dur. Mais non, mais moi, ça me mettait mal parce que t'étais vraiment dans mon bordel, entre guillemets, même non, si j'essayais de... j'étais dans ta vie. Enfin, ouais. Même pour toi, t'avais plus de vie. C'était beaucoup. Genre, je sortais pas de chez moi pendant des jours et des jours. T'es belle. Mon plus gros problème dans ma vie, c'est que je ne sortais pas. Ouais. C'était un truc mais vraiment. Je me rappelle, souviens-toi, Jérémy disait doucement les bureaux. Ouais, pas de bureau tout de suite et tout. Je suis d'accord, mais si on veut survivre, il va falloir qu'on trouve des bureaux parce que là, c'est pas possible. C'était hyper vite. C'était hyper rapide. Et rappelle-toi comment. Quand j'ai vu l'annonce et j'y suis allée. Ouais. En fait, j'aurais trop kiffé montrer la photo, mais du coup, on va voir les bureaux et faut qu'on fasse attention. Mais j'étais avec mon père. Oui. J'étais avec mon père. Mais j'étais là, c'était le midi. Mais oui. C'était un midi. Je regarde toutes les annonces et Marina savait. Et même quand je regardais, je me disais jamais on trouvera. Et d'un coup, je tombe sur l'annonce de ces bureaux-là. Tu m'as dit, c'est ça. C'est ceux-là, ils sont parfaits, c'est tout ce que je veux. Si j'avais pu les dessiner, ça aurait été ça. Ouais. J'ai vraiment mené mon enquête et j'ai réussi à trouver l'adresse. Je trouve l'adresse, j'étais encore en tenue de sport, je m'en rappelle. Je trouve l'adresse, mon père me dit on doit aller à la pharmacie. Je dis pas de problème, juste on a un petit détour à faire. On va devant. Ouais, je dis à mon père, prends-moi en photo. Et j'ai vraiment fait comme ça, genre en mode mes bureaux. Alors ça, j'avais vu l'annonce il y a 20 minutes, c'est pas une blague. Et j'avais dit, ceux-là, je les ai, genre vraiment, le propriétaire il veut pas, je m'en fous, je les aurai, je vais tout lui faire. Et on a eu les bureaux. Ouais. Voilà. Donc ouais, j'avoue, je pense que ça, c'est les meilleurs moments. Ouais. Il y en a eu plein comme ça où vraiment... Bah, le lancement, je pense que c'était le moment... On était vraiment tous les trois ici. Ouais. Avec Jérémy. Ouais, c'était incroyable. Ouais. Et après, ouais, il y a eu plein de moments en Corée, dans le sud. Même parfois, enfin, j'ai des trucs de merde. Par exemple, des dîners avec Arborian. On rigole tellement. Ouais, enfin, il y a trop de moments comme ça qui sont trop drôles. Ouais. Et le pire... Moi, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me vient en tête. C'est quoi? Quand j'ai vomi dans le taxi. Pour vous dire à quel point, moi, physiquement, c'était la fin. Genre, ça y est, j'étais à deux doigts de mourir. On faisait les shootings de Noël pour Mila Matcha, donc genre deux semaines après le lancement. Ouais. Donc imaginez l'état deux semaines après le lancement. C'était un état lunaire. Ouais. Et on devait aller en urgence encore au Japon, et ça. C'était un merdier. C'était la guerre. Marina, elle est arrivée chez moi pour qu'on prenne un taxi pour aller au shooting. Et déjà le matin, tu m'as dit, je me sens pas bien. Ouais. J'ai dit, franchement, là, je suis pas bien, je suis mal, genre ça me donne la gerbe. Et genre... était dans le taxi et j'ai vraiment dit c'était je me sens pas bien et j'ai ouvert la fenêtre, j'ai vomi par la fenêtre. C'est vrai. J'en ai connu des moments gênants mais celui-là il restera marqué à vie. C'était un des pires moments. Ouais, je pense que c'était un des pires quand même. Bah après en fait c'est des pires moments mais c'est pas par exemple quand on a eu avant le lancement des grosses mauvaises nouvelles. Ah, oui. Genre typiquement le problème d'impression sur la vanille. Ouais. Ce jour-là c'était dur. Ce jour-là on s'est dit ouais. Genre peut-être qu'on a tout perdu, peut-être que moi je te voyais vraiment mal. Ah là j'étais mal. Ouais. Là je pense que c'est le jour où je t'ai vu le plus mal. Mais tu sais que ce jour-là
j'ai vraiment, autant parfois je peux avoir genre ces deux phases rapides, mais là j'ai vraiment dit à Jérémy, il me faut une journée. Ouais, ouais. Genre, il me faut une journée pour pleurer et être au fond du trou, ouais. Et après, genre, je serai là, je gérerai. Mm. Mais là, par contre, c'est trop une mauvaise nouvelle pour que je puisse reprendre. Ouais. Je l'ai déjà raconté, mais en gros, tout notre match à Vanille avait été mal imprimé, donc des milliers et des milliers de canettes. Donc le logo n'était pas visible. D'ailleurs, quand on prend un peu de recul sur la situation et qu'on voit au lancement, personne n'a rien dit. Après, on l'a sorti un petit peu en réduction, du coup. Mais en gros, et le Japon, c'était très compliqué de communiquer avec eux sur le sujet, donc c'était vraiment très très compliqué. Et la marque sortait là. On dit, elle l'a pas appris. C'est pas le Japon qui lui a envoyé un message pour lui dire on vient de se rendre compte qu'il y a un problème. En fait, ouais. Les canettes venaient d'arriver en France, ouais. Dont une partie chez Andy pour qu'on voit les canettes. Et sur le coup, en fait, on n'a même pas capté tout de suite. On n'a pas capté. C'était la première fois que j'avais mes canettes dans les mains. Donc, en fait, il y a eu le moment où on a filmé cette vidéo où t'es trop contente et tout. Et à un moment, tu tournes la canette, tu me dis, mais il y a un problème. Et là, on se rend compte que le logo, il n'est pas lisible. Ouais. Ouais. Le pire, parce qu'on ne le dit pas, c'est que je pensais que c'était moi le problème. Ouais. Tu te rappelles? Ouais. Je me disais, quelle idée j'ai eue de faire du blanc sur du rose. Et je devenais folle et je me disais, je suis vraiment une grosse conne. Et à un moment, je te dis, en fait, Andy, elle avait les plaques du métal du Japon, d'impression. On a été trois à voir ces plaques. On l'aurait vu. On l'aurait vu que ce n'était pas du tout lisible parce que là, c'était vraiment pas... Enfin, pour nous, en tout cas. Parce qu'au final, personne n'a vraiment... Ouais. Mais pour nous, c'était vraiment pas lisible. Ouais. Et donc, tu as été chercher ces plaques. Et après, je suis allée chercher ces plaques et je me suis rendu compte que c'est le problème ne venait pas de moi. Et donc là, on essayait de prendre des photos dans tous les sens. Ouais, avec la lumière. Tu te rappelles, on voyait mal. Ça me rendait ouf. J'ai dit, mais là, on dirait que ça ressort bien, alors qu'en vrai, non. Et je me rappelle même qu'on avait fait un call avec Jérémy, un call d'urgence. La nuit. La nuit, il était genre 3h du matin. Ouais. On a tout fait, je vous jure, on a tout fait. Je pense que ça, c'était un des pires souvenirs en vrai. Ouais. La marque sortait là. Notre stock était pas vendable. Et le matcha était dans les canettes. Et le matcha était dans les canettes, tout prêt. L'horreur. C'était horrible. Il y a une question qui était pour toi. Marina, est-ce que ça ne te fait pas peur de bosser dans une structure qui se développe si vite? Bah non, pas du tout. Ah ouais? Vraiment pas. La marque, elle s'est développée récemment. Mais sinon, toi, c'est pas non plus complètement nouveau. Au début, oui. Au début, ça me faisait un peu peur. Pas spécialement où je me disais, ça va pas durer dans le temps. Mais plus je me disais, est-ce que vraiment il y a besoin de quelqu'un? C'était plus ça qui me faisait peur. Je me disais, genre, peut-être qu'on va se rendre compte que c'est pas nécessaire et que dans 2 mois, je suis plus là, quoi. C'était ça qui me faisait un peu peur. Tu rêvais. Mais maintenant que je suis là, j'ai aucune peur parce que je vois comment. Je vois tout ce qui se passe. Ouais. Et ce que vous voyez pas non plus. Tout ce qui arrive. Et j'ai aucun doute sur le fait que ça marche, que ça dure dans le temps. Et même si demain il se passait un truc, je sais même pas ce qui pourrait se passer, mais si demain il se passait un truc qui faisait que, admettons, il n'y avait plus la marque, en fait je sais que tu rebondiras toujours. Okay. En fait, comme je te connais maintenant, je sais comment tu confiance. Es. Ouais, j'ai confiance. Okay. Tu devrais pas parce que je ne sais pas ce que je fais dans la vie là. Mais justement, ça c'est pas vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te voient et c'est horrible, c'est ce que je lui dis depuis le début. Ouais. Je dis tout le temps. Tu me fais peur. C'est trop difficile parce que. Moi, la Andy que je vois tous les jours, oui, c'est la même que ce que vous voyez dans les vidéos. Ah, c'est une question qu'on a beaucoup posée. Est-ce que je suis la même ou pas que dans les vidéos? Ah bah, alors je répondrai à ce moment-là. Mais vas-y, je te la pose. Marina, okay. C'est 2% de ce que tu es. Et je te le dis tout le temps. Mm. Mais moi, je trouve que c'est trop dommage parce que, en fait, j'ai toujours... peur, enfin pas peur, mais j'ai l'impression que les gens te voient un peu comme ça, comme une fille qui se laisse beaucoup porter entre guillemets, et t'es pas du tout cette fille-là. Et en fait, moi j'aimerais bien que les gens ils te voient plus comme tu es, comme moi je te vois au travail, parce que c'est le travail, mais je sais que c'est difficile, parce qu'en même temps c'est quand même toi dans les vidéos, et je sais pas comment on pourrait plus montrer ça. Tu vois, même là, tu t'as dit je sais pas ce que je fais demain, alors que c'est tellement faux, parce que tu gères tout de A à Z, et tu gères tout le monde de A à Z. Oui, il y a beaucoup d'imprévus, mais malgré tout, tu sais exactement où tu vas, tu sais exactement ce que tu veux, et il n'y a pas de place pour le doute, entre guillemets, je trouve. Oui. Par exemple, avec la marque, à aucun moment tu t'es dit, bon, bah ça, on le fait comme ça et puis on verra bien. Ça s'est jamais passé comme ça. Tu sais exactement ce que tu veux. T'es hyper carré, hyper organisé, malgré les imprévus, mais ça, ça dépend pas de toi. Mm-hmm. Mais j'aimerais tellement que les gens ils voient cette phase-là. Mais je suis d'accord avec toi, et je pense que c'est toi qui m'as fait ouvrir les yeux là-dessus. Mm-hmm. Mais, en fait, typiquement, là, on l'a vu sur la dernière vidéo, je parle de Milia Matcha, etc. Et alors, je pense que juste j'arrive aussi à un point où il y a tellement de changements dans ma vie, et que YouTube s'est montré ma vie, que bah, forcément, peut-être que je vais perdre des gens aussi... Au passage, j'en sais rien. Il y a eu des retours, donc des gens qui disaient est-ce que tu peux parler un peu moins de ta marque, d'autres gens qui disaient au contraire, est-ce que tu peux parler plus, montrer plus ce côté-là. Donc je suis un peu en mode
je sais pas trop. Moi, si je pouvais, je pourrais faire des vidéos. Bah, j'aime trop les vidéos qu'on fait, genre en Corée, les vidéos food, toutes ces vidéos-là, genre avec Jérémy quand on teste des trucs et tout, j'adore ces vidéos. Mmh. Mais après, faire genre je mange 24 heures comme Kendall Jenner, c'est tellement loin de ma réalité que ça, c'est plus possible. Et on est bien d'accord. Mais après, je suis toujours la même personne, ça ne change pas. Mais juste, j'évolue et donc forcément, ma chaîne YouTube évolue aussi avec. Et on est toujours dans l'entre-deux où, genre, tu me dis ça, que je comprends. Ouais. En même temps, je pense que j'ose pas changer vraiment, tu vois, mon contenu. Ouais. Et je pense que là, depuis la marque, ça va mieux parce que j'ai quand même fait des vidéos où je suis au bureau, je montre comment ça se passe, montrer un petit peu plus mon quotidien, mais mes responsabilités. Tellement encore plus que tout ça. Je pense qu'on l'a plus vu dans le vlog que t'as fait. Le vlog à l'iPhone ? Ouais. Mm. Je pense que là, on l'a plus vu. T'es tellement plus que tout ce que tu montres sur YouTube. Je dis ça aussi parce qu'avant, j'étais abonnée et c'est le regard que j'avais. Que oui, tu gérais beaucoup de choses, mais tu te laissais aussi beaucoup porter par les gens qui peuvent t'aider parfois autour. Il y a Jérémy, maintenant, il y a des équipes. Mais en vrai, la réalité, c'est que tu gères tout de A à Z. Même s'il y a du monde et que chacun a ses tâches, tout le monde travaille sur des choses différentes. Mais toi, tu te laisses pas du tout porter par ça. C'est toi qui lead tout ça. Je me rends pas compte de comment on ressent ça sur les réseaux, j'en sais rien. Mais ouais, c'est le truc que je te dis depuis le début. Ouais. Et c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est terrible parce que je pense que quand même, il y avait, avant de sortir la marque, il y avait un moment où ça devenait super dur parce que j'avais l'impression de jouer un rôle. Oui. Ça, oui. Vraiment, quand je faisais des vidéos un peu, pas bébêtes, mais il y avait des sujets ou genre des trucs, un peu des concepts et tout, et je me disais, ma vie là, c'est tellement pas ça. Mmh. Et en même temps, bah, je peux pas vous montrer ma vie parce que c'est un secret. Mmh. Donc là, j'avais l'impression de jouer un rôle. Et là, c'était atroce parce que vraiment, YouTube, c'est pas du tout comme ça. Enfin, pour moi, c'était pas comme ça. Et du coup, je tournais les vidéos et j'avais l'impression de pas être moi. Et après, je me disais, bah, de toute façon, ça changera. Mais en fait, quand je tourne des vidéos, j'ai l'impression d'être moi, même si je montre pas, je sais pas, le travail et tout. T'es toi-même, ça c'est sûr et certain. Je peux pas dire que dans les vidéos je te reconnais pas, mais c'est 5% de ce que t'es. Mm. Tu vois, c'est une partie tellement, tellement petite de ta personnalité et c'est pas forcément celle que... Comment dire ça ? Celle que tu mettrais en avant ? Bah, en fait, je sais pas comment le dire bien, mais c'est pas forcément celle qui te met le plus en avant, je trouve, parce que t'es tellement plus et sur plein d'aspects qui sont différents que j'aimerais bien que les gens y voient cette partie-là aussi de ta personnalité. Parce que parfois, du coup, je pense que les gens ne se rendent pas compte de à quel point c'est difficile dans certaines situations. Ça, c'est une évidence. Parce que t'es toujours souriante, t'es toujours rigolote dans tes vidéos et t'es comme ça dans la vraie vie. Mm. Mais il y a aussi plein de moments où il faut gérer des situations stressantes et tu le fais, tu vois. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que j'aimerais plus que les gens voient, arrivent à se rendre compte. Après, en fait, j'ai toujours ce truc aussi. C'est un truc que je supporte pas. Mais après, là, il y a la marque, c'est différent. Mais malgré tout, les influenceurs, c'est horrible parce qu'il y a sûrement des gens que j'aime bien qui font ça. Mais je vais te dire quand même. Mais les influenceurs qui essayent de montrer qu'ils travaillent. Ah oui, oui. Genre, qui sont en mode, bon alors, aujourd'hui, j'ai ça à faire. Et tu sais, genre, les trucs à faire, c'est faire ma machine, aller récupérer mes fringues pour mon shooting. Et je suis en mode, oui, je comprends. Et on sait que c'est un travail parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais je trouve que c'est très mal placé parfois, tu vois. Mais toi, c'est pas ça. Oui, et je me dis maintenant, c'est quand même différent. Et même avec YouTube, c'est différent déjà. Mm. Mais du coup, il y a vachement ce truc où, genre, tu sais, j'ai peur que ce soit mal placé. T'es ici tous les jours. Tu vois, par exemple, ça, je sais pas si les gens, ils se rendent compte, mais je pense qu'il y a beaucoup, pas que dans l'influence, hein, je dis pas ça que pour des marques d'influenceurs, mais aussi pour les startups en général, souvent, la personne qui crée l'entreprise, parfois, une fois qu'il y a des équipes, elle laisse plus gérer et elle est peu présente. Mm. Mais Andy, c'est la première à arriver le matin, c'est la dernière à partir. Et je pense que ça, les gens, ils se rendent pas forcément compte de ça. Ouais, j'en sais rien. Mais bon, ouais, je pense qu'au fur et à mesure, en fait, je veux pas perdre les vidéos que je faisais, etc. Parce que je veux que ça reste un bon moment. Mais je pense qu'il y a plein de vidéos. Comme là, le concept à l'iPhone, j'ai trop adoré. Mm. J'ai trop adoré parce que j'avais trop l'impression d'être moi, de montrer sans réfléchir. C'était vraiment ton quotidien. Ouais. Il y avait pas de... Mm. Et même là, tu vois, le concept qu'on fait, ça change. Et en vrai, on parle de travail. En fait, le truc, ce qui est terrible, c'est que j'ai trop envie de montrer des trucs du quotidien, mais le problème, c'est que je vends un produit. Et donc, j'ai trop peur que les gens se disent, bah, elle nous montre les trucs au bureau, elle nous montre ses machins, parce que, bah oui, elle veut qu'on achète du matcha, elle veut nous parler de Milia Matcha. J'ai trop peur que les gens se disent ça. Et en fait, limite, j'aimerais que ce soit la marque de quelqu'un d'autre et juste montrer ma vie, juste pour dire, bah voilà ce que je fais, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc qui me bloque aussi. Mais après, je pense que c'est pas justifié parce qu'il y a personne qui me dit, t'essaies de nous vendre un truc. Ouais. C'est juste moi des peurs que je me crée toute seule. Ouais, je pense. Ouais. Voilà, bah c'était une thérapie. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a répondu à pas mal de questions. J'ai grave aimé. Ouais, en vrai, le concept, il était cool. Tu vois, t'étais à l'aise. Ouais, je sais pas si j'étais à l'aise. Je te jure que t'étais à l'aise. Ok. Genre, t'es comme ça dans la vraie vie. Mais parce que je te parle à toi. Bah oui. Je me suis très peu tournée vers là. Ouais, ouais.
T'inquiète pas, ils t'en vendront pas. Est-ce que tu penses que c'est un concept qu'on devrait plus faire avec d'autres personnes? Enfin, que je devrais plus faire avec d'autres personnes? Ouais. Je pense qu'il faut inviter Jérémy ou ça va être ingérable. Wow. Compliqué. Non, mais je pense que ce serait bien. Ça peut être drôle. Ok. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me posaient les questions de est-ce que tu t'entends bien avec Jérémy? Ouais. Ouais. Mais je m'entends bien avec tout le monde. Ouais. Non, mais tu t'entends très bien avec Jérémy. Ouais. Les deux, ils sont ingérables parfois. Bon, voilà. Franchement, okay. J'ai bien aimé. Merci d'avoir accepté de faire cette vidéo. C'est pas simple, mais. Je pense que les gens vont apprécier. Vraiment, je pense, dites-nous en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de Marina. C'est trop stressant, je suis trop mal à l'aise. Non, là. Tu sais que tout le monde est trop gentil. Hein. Ça me remet mal à l'aise. Ouais, jamais. Au moins, t'as été toi-même. On verra ce que ça donne. Ouais, on verra. Non, franchement, merci beaucoup. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais ça vous a plu. Je fais 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche à 18h. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On a dépassé hier les 550 000. C'est énorme, ça va tellement vite. C'est incroyable. Je suis arrivée il y a un an et tu fêtais les 400 000. C'est incroyable. Et oui, je tiens à dire quand même qu'on est au mois de mars et que j'ai passé fin décembre. Oui, les 500 000. Les 500 000. C'est énorme. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je sais pas. Ça va trop vite. Ouais, ça va trop vite, c'est incroyable. Vraiment, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, sur Insta, comme d'hab. J'allais dire, je suis dispo. Je suis active un petit peu tout le temps. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup, Marina. Merci à toi. Oui. Et nous, on se retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous. Bisous. Non, faut refaire ça. Je peux pas dire bisous comme ça. Mais si, c'est bien.